ben on n'est que trois pour l'instant.
Je suis connecté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette soirée sur Menorah et en l'honneur de Baba Salé. Et voilà, et là, donc, je pense qu'on peut commencer. Il y a déjà un petit peu de monde. Et encore une fois, merci beaucoup. S'il y a des questions à la fin, je ne sais pas s'il y en a, on pourra peut-être les dire et y répondre. Voilà. Merci à vous. Et alors, encore une fois, bonsoir. Et nous, on était ensemble, notre famille, 11 ans avec Baba Salé. Et mon oncle est marié avec la fille de Baba Salé. Alors, moi, personnel, je vais raconter des histoires qu'on a vécues avec Baba Salé depuis mon âge de 7 ans jusqu'à 16 ans et demi, jusqu'à ce que Baba Salé il est monté dans notre monde. Alors, on va raconter quelques histoires. Et nous, il y avait chez Baba Salé, chaque jour, c'était une vie. Ça veut dire nous, pour nous, par exemple, mais on peut passer une année, Baba Salé, pour lui, un jour, c'est comme pour nous, un an, deux ans, trois ans. Ce qui s'est passé, quand on allait, ça vivait. Ça veut dire, on vient à 5 heures du matin, il y a quelque chose. On vient à 1 heure du soir, la nuit, il y a quelque chose. C'est vraiment un endroit qui envoyait des miracles. Baba Salé dirigeait le monde avec ses miracles. Alors, je vais raconter des histoires qu'on a vues, comment les choses se passaient chez Baba Salé. Une fois, Baba Salé, il a décidé, sans téléphone et sans rien du tout, de venir à Kfar Chabad. De venir à Kfar Chabad, je vous parle d'aujourd'hui, il y a 45 ans, 46 ans, à peu près. Et il est venu à Kfar Chabad. Est venu chez notre grand-mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers de personnes, ils sont venus les voir. Il n'y avait pas les téléphones ni rien du tout. Ils ont senti que la Kdusha de Baba Salé, elle est là. C'est pas possible autre chose parce que nous, dans tout Kfar Chabad, c'était un village et on avait peut-être trois téléphones. Mais tout le village autour, tout le monde sont venus de 1h l'après-midi jusqu'à 2h30, 3h du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On avait tous les mashpim de la yeshiva, ils sont venus. Et ils étaient à côté de Baba Salé. Et il y avait des gens qui parlaient l'arabe, il y avait des gens qui parlaient l'yiddish, il y avait les personnes qui parlaient le français, l'allemand, toutes les langues. L'anglais, et ça s'est passé comme ça. Et Baba Salé, il était à la tête de la table, et on envoyait beaucoup de... D'abord, il donnait, chacun, il donnait un billet de 10 shekels à l'époque. Il distribuait des milliers de 10 shekels. Et encore une fois, on voyait qu'il fait quelque chose dans le monde. Quand il vient, on voit qu'il vraiment, il change le monde. Chaque acte qu'il fait, chaque mot qu'il fait, il dit, vraiment, je ne sais pas comment dire, ça veut dire qu'il fait quelque chose dans le monde. Alors, il y avait Arab Meshken Apartok, il y avait Arab Lozi Garelik, le fils de Rab de Kfar Chabad et le chatan de Rab de Kfar Chabad. Il y avait Arab Mordechai Ashkenazi. Il y avait encore des chassidim de la yeshiva, Rav Monke Grouzman, Rav Lando, les deux frères de Rav Lando qui sont passés. Baba Salé, d'abord, il avait la glima blanche, mamash, comme machu miyuchad. Et il demandait, il a commencé à demander, il était à la tête de la table, je me rappelle comme c'est aujourd'hui, je vous parle il y a 45 ans. Il a demandé, il a dit, combien de Talmud Torah vous avez ici à Kfar Chabad? Alors, on lui a dit, on a une seule Talmud Torah à Kfar Chabad. Il a dit, Baba Salé, c'est pas bien qu'il y aura qu'une seule Talmud Torah à Kfar Chabad. Pourquoi?
Parce que si quelqu'un, par exemple, il n'est pas bien avec le professeur ou le directeur de l'école, il peut aller dans une autre école. Alors, il a sorti des billets, un paquet de billets de Herzl. Ça veut dire que c'est 100 lirot. À l'époque, il n'y avait pas les chèques, c'était lirot. Un billet, il a dit, ça c'est la bracha pour Talmud Torah. Et c'est vrai, la bracha, on voit aujourd'hui que la bracha a été, il y a beaucoup de Talmud Torah, pas un seul. Il y a 3 ou 4 Talmud Torah. Maintenant, Baba Sal, il a dit mikveh. On lui a dit, il y a un seul mikveh. Il a dit non, il n'accepte pas. Et il a insisté sur ça au moins 10 minutes, un quart d'heure. Il a dit, je ne suis pas d'accord qu'à Kfar Chabad, il y aura un seul mikveh. Et celui qui connaît, et comme on voit, Baba Sal, il a donné beaucoup, beaucoup de paquets. Pour les mikveh, c'était pour lui quelque chose de très important, des paquets de Herzlim. Herzlim et comme ça, c'est, on l'appelait en Israël. Et Baruch Hashem, aujourd'hui à Kfar Chabad, on a beaucoup de mikvahot. À part ça, Baba Sal, il a demandé combien de yeshivot vous avez ici. Alors, les rabbinim, ils ont dit, on a une yeshiva, yeshiva tochet mimi. Baba Sal, il a dit non. Et moi, j'ai vu que Rav Milubavitch, il a dit qu'il y a Bet Sefer Nimlacha, l'endroit où il y a, à l'entrée de Kfar Chabad, l'école, ce qu'on appelle Bet Sefer Nimlacha, c'est aussi Yeshiva Tochet Mimim. Et moi, je vous dis, je ne suis pas d'accord. Et c'est aussi Yeshiva Tochet Mimim. Et c'est vrai que tous ces élèves qui sont sortis de là-bas, ils sont devenus de grands, grands chassidim. À part ça, quelqu'un, et moi je vous parle 14 heures d'Hidvadout avec Baba Sali. Et quelqu'un qui habitait à Kfar Chabad, son fils, il ne marchait pas. Alors on lui a dit, il l'a amené. Aujourd'hui, moi je, il marche. Aujourd'hui il marche, il est en bonne santé. Je me rappelle déjà que Baba Sali l'a levé de la chaise. Moi j'ai vu ça. Et vraiment, Baruch Hashem, aujourd'hui, il marche. À part ça, les parents, aujourd'hui, ils ont presque 100 ans. Baba Sal, il leur a donné la bracha de Arichut Yamim et en bonne santé. Et ce couple-là, c'est connu. Mais même son fils, je ne veux pas dire, son fils, il m'a dit, Uri, écoute, moi, des fois, je vais aller me reposer. Je travaille avec mon père. Je vais aller me reposer. Mais mon père, Baruch Hashem, il a la bracha de Baba Sali, il n'a pas besoin de se reposer. Et lui, il a 60 ans et le père presque 100 ans. Ça, c'est, à part ça, et Baba Sali, il a demandé, moi, ce que je me rappelle, mais il a demandé, on lui donne une bouteille d'arak. Avec cette bouteille-là, des milliers de personnes ont eu les chaim. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Et on voyait que vraiment, c'est un moment très, très spirituel. On voyait qu'il y en a quelqu'un avec nous qui vraiment, il vient de... il amène l'autre monde ici sur Terre. Et il y avait une personne qui est venue. Il a dit à Baba Sali, il veut ouvrir un kollel. Parmi les histoires qui, encore j'étais jeune, mais il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de demandes, beaucoup de brachot. Baba Sal, il a demandé à Baba Sal, il a dit, écoute, moi je vais faire un collet. Alors je vais la bracha. Baba Sal, il a sorti encore un paquet d'argent, il a donné la bracha, et il a dit, chez nous au Maroc, à part le collet, on doit donner à manger au avriché kollel, c'est ça notre minag. Alors, il lui a dit, et c'est vrai que la personne, Baruch Hashem, il a une grande, grande bracha avec ce qu'il fait. Et à part ça, il y avait beaucoup de gens qui sont passés. Et il faisait attention à chacun. Baba Sal, il demandait qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il fait. Il faisait attention aux enfants, même des gens qui sont, ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans. Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il a des soucis? Est-ce qu'il n'a pas des soucis?
Comme ça, ça durait 14 heures. Et encore une fois, Neharot, chez la Nashi, ils sont venus et les voir. Pachout, chacun avec sa bracha, avec beaucoup de patience. Et des fois, et quelqu'un qui vient les voir, il lui dit, écoute, moi, j'étais maintenant à Semesemente. Ou je viens de Semesemente. Et au milieu de ces 14 heures qu'on a vécu, et on était ensemble. Alors, Baba Sali, son visage est devenu rouge. Et il lui a demandé qu'est-ce qu'il a dit le rabbi. C'était quelqu'un qui étudie chez Rav Gafni au Kollel. Il est venu, il a dit, qu'est-ce que c'est? Et on lui a dit comme ça, il a été chez l'Admor Milubavitch, je me rappelle. Alors, il a dit, il s'est levé et il avait le visage très rouge, vraiment, il était très concentré. Il voulait entendre le sikha chez le rabbi. Après, quelqu'un d'autre est venu, il a dit, il va voyager, il va voir le Rav Milubavitch. Alors, c'est la même chose. Et ça, il avait une trakshut. Moi, je vous raconte ce que j'ai vu. Maintenant, il avait une trakshut qui vraiment, on ne voit pas jamais. C'est vraiment, quand quelqu'un lui disait, je vais chez Rav Milubavitch, toujours, il était dans un autre monde. Et je parle avec beaucoup de gens que je connais, qui ont fait rencontrer là-bas, aussi anti-vote, tout le temps quand quelqu'un lui disait « Je suis venu de Semesemedi » ou bien « Je vais aller à Semesemedi », Baba Sali, il était un grand, grand itrakshut. Et à part ça, il y avait des gens que Baba Sali leur a donné avec ses mains, il a donné des assiettes de manger, des grandes assiettes avec le manger. Et les gens, ils racontaient là-bas que ce qu'ils ont mangé la main de Baba Sali, ils n'avaient pas faim pendant quelques jours. Vraiment, ça, c'était le manger spirituel. C'était vraiment, on sentait que c'est un manger et qu'il y a quelque chose de spirituel. Des fois, dans le moment, on passe des choses, on a une grande simcha, on a des tzaddiks avec nous et vraiment, on ne profite pas assez. Moi, personnel, je regrette parce qu'on pouvait profiter plus. On voyait qu'Imam Sali, vraiment, il changeait le monde. Il avait une Ahavat Israël et sans limite, vraiment sans limite. Et vraiment, il voulait que chacun, et bien sûr, il rate Shamaïm, et aussi les Gashmiyot. Comme la Shita Shel Baal Shem Tov, c'est la même chose. Il disait, il donnait les Gashmiyot aux gens, et aussi les Rouhaniyot. Baba Sali, c'était la même chose. Quelqu'un vient le voir, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il fait la simcha et tout. Maintenant, quand on voulait aller à Netivot, par des miracles, on arrivait très très vite. Et il y avait des bachourim, par exemple, qui venaient de Yerushalayim. Chaque fois, quand ils voulaient aller à Netivot, tout de suite, ils arrivent à Netivot. Et ils voulaient, et Baruch Hashem, il y avait des brachot là-bas pour les chatanim. Quand Baba Sali venait dans un endroit, ça marque des dorés dorot. C'est-à-dire, vraiment, quand Baba Sali vient dans un endroit, vraiment, on voit le miracle qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup de mariages après, il y a beaucoup de gens qui guérissent, il y a beaucoup de naissances. Vraiment, il y a de grands, grands brachot quand Baba Sali vient dans un endroit. Il y a quelqu'un à Petah Tikva. Il y a le canyon de Petah Tikva, qui est très, très, très grand. Le canyon de Petah Tikva, le plus grand canyon d'Israël. Là-bas, dans l'endroit, il y avait quelqu'un qui, Baba Sali, lui a donné la bracha. Et il a écouté tout ce qui est le conseil que Baba Sali lui a donné. Et aujourd'hui, l'endroit, c'est devenu le plus grand canyon d'Israël. Et il y a toutes sortes de choses que moi, j'ai vues, qui vraiment à la bracha de Baba Sali. Maintenant, je vais expliquer d'où ça vient, ça, cette force. Comment c'est possible que quelqu'un qui est dans ce monde-là, il va diriger le monde, il va vraiment changer la nature. Et je voulais dire, et vendredi, on a eu le mérite de passer Shabbatot avec Baba Sali, entendre comment il fait le kiddush. Et ce qui s'est passé, vendredi, Baba Sali, il étudie le Orachaim HaKadosh. Chaque vendredi,
Et encore une fois, son visage, il changeait chaque minute de notre couleur. On voyait qu'il vraiment, il change le monde avec cette étude. Alors, Rabbi Chaim Ben Attar, il parle comment ça se fait nous on dit, Moshe Rabbeinu, il a traversé la mer. Mais le problème, c'est pas le problème, il y a encore des autres personnes qui ils ont fait des miracles, qui gon Rabbi Pinchas Ben Yair. Alors il y a tout un tas d'explications, mais le résumé de Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. HaKadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, lui il a donné à la force aux tzadikim, de la nature est soumise sur leur main, c'est-à-dire vraiment les tzadikim, HaKadosh Baruch Hu leur donne une force qui la nature c'est comme Moshe Rabbeinu, la mer doit s'ouvrir, et à part ça, et tous les tzadikim, vraiment la nature soit soumise à eux, ça veut dire c'est eux les responsables de la nature. Alors de là, il vient la force de Baba Sali. Comme c'était quelqu'un, c'était depuis la création du monde, HaKadosh Baruch Hu, il a fait un tnaï. Il dit Rabbi Chaim Ben Attar, il fait un tnaï avec la nature. Alors, c'est normal que Baba Sali, quand il voudrait, comme c'était quelqu'un de vraiment de sadique, et alors, la nature soit. Alors, pour lui, c'est rien du tout, c'était de guérir quelqu'un, de faire des miracles, de prier pour quelqu'un, parce que sa prière a été acceptée sans limite. Bezrat Hashem, celui qui s'approche au tzadikim, et il faut apprendre une chose, comme Baruch Hashem, il y a quelqu'un comme Baba Sali qui vraiment il a sacrifié sa fille et sa vie pour Am Israël. Baba Sali, il a dit, moi, il s'est levé. Il est né à partir de 10 ans ou 7 ans ou 18 ans. Il a dit, moi, j'ai décidé dans son cœur et dans sa tête, dans son cœur, il a dit, moi, je vais sacrifier pour Am Israël. Alors, chacun parmi nous, même s'il ne peut pas être comme Baba Sali, mais au moins, faire quelque chose pour HaKadosh Baruch Hu, sacrifier quelque chose pour HaKadosh Baruch Hu. Si quelqu'un, par exemple, chacun, même 5 minutes ou une midah tova, ou quelque chose pour HaKadosh Baruch Hu. Baba Sali, il a fait ça toute sa vie, 24 sur 24, toute sa vie, il n'était pas pour lui, il n'a pas pensé à lui, même pas une seconde de sa vie. Mais nous, au moins, on doit penser une seconde pour HaKadosh Baruch Hu, et si on peut plus, c'est ça la leçon qu'on peut tirer de Baba Sali. Il est raison, c'est de Brat Hashem, à Elul Azot. Ilula de Simcha, c'est un jour que toute la force de la Tzadik s'est multipliée aujourd'hui. Alors, Bezrat Hashem, on doit prendre de bonnes décisions, ou bien être plus dans le Kdusha, ou bien ajouter quelque chose dans la Torah, ou dans le Chesed, ou dans le comportement de faire shalom. Et avec quelqu'un d'autre, quelqu'un par exemple, il s'est disputé avec quelqu'un, c'est le moment de faire shalom. Et toutes ces bonnes décisions, c'est ça qui va nous apporter la brachot de la tzadik. Bracha v'atzlacha v'kol tov. Merci beaucoup, Rav André. Je ne vois pas spécialement de questions, mais un grand regard et merci pour ce soir. Merci. Merci.